My obsession caused this great foulness, and it is shameful that I must rely upon you to set it right. Et ouais. On est de retour. On est de retour. Donc on avait une équipe. La dernière fois, on avait fait une équipe où on voulait voir si on pouvait, j'ai envie de dire, power level. J'ai envie de dire, booster les niveaux de 3 personnes extrêmement vite. Donc on va prendre ça. C'est court. Il y a vétéran. Ouais. Ça, c'est court. On a donc l'émeralde. On a Thomas, on a Marcy et Gaël. Et on va voir si on peut pas les booster à 6 directement. Donc Gaël, il va passer, mais les autres, on sait pas. Donc on va voir ça. On va tester ça maintenant. Et après, comme ça, on va pouvoir faire le donjon assez rapidement. Donjon ténébreux. Crit, plus 7%. Ça. Alors, toi... Ça, c'est toujours un peu la même chose, c'est ça avec ça. On est où? On va où? La tanière c'est... Les cochons. La tanière, les cochons. C'est les cochons. Alors... Esquive 15. Les cochons. Esquive, c'est pas mal. Ça, Gaël, il devrait être résistant. On va peut-être augmenter Gaël, par contre. Son armure et tout ça. Et hop. Oui, non, oui, non. Protection PV. Ah, ça devrait passer. J'ai confiance. On va voir. J'ai confiance. Ok, très bien. Alors, guild. Ok. Je veux pas trop dépenser non plus. Donc on fait ça. Ça va bien se passer. Hop. Je dis ça maintenant, s'il faut, ça va mal se passer. Même quand même, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un peu, juste un peu plus de trucs. Mais après, parce que le malus de machin là, c'est un peu abusé. Le malus de dégâts, enfin, non, pardon, les dégâts qu'on se prend et le stress qu'on se prend à faire ça à la main là, à détruire les barricades à la main, c'est ouf. To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. Ah, toi t'es à 100, tu vois. Ah. T'es à 100 et t'es... Ok. C'est quoi cette merde? Chelou. Bizarre. C'est étrange. Ah, j'aurais dû le mettre devant. Merde. Ah, j'ai fait de la merde. Hop. Très bien. Ah, bah ça va.
Même le truc à bout portant, il fait pas très mal, honnêtement. Bah, c'est bête, du coup, on peut pas refaire encore la lance. C'est super. Confidence surges as the enemy crumbles. Ok, j'ai dû faire une pause, désolé. On en est où? Donc il y a un mort. Boum. Ah, il faut qu'on enlève le buff et il faut qu'on fasse le truc qui enlève les cadavres là. C'est vachement bien ça. Momentary abatement. Inspiration. Ça se passe bien pour le moment. Impressive. Des buffs d'esquive par contre, c'est un peu relou. Zéro. Saignement, c'est un peu relou aussi. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. On va essayer de vite le tuer lui s'il commence à nous faire chier. Très bien. Ouh, joli. Toi, t'as un taux de critique vachement élevé. Oui, 22%. Ouais, non, mais c'est avec Jester. C'est normal. Bah, du coup, il faut dire que la rage, je pense que ça aide. Je pense que ça aide. Donc, par contre, alors, qu'est-ce qu'on avait dit ça? C'est pas à la place. Traction. Ça fait quoi la différence en fait? Ah oui, ça c'est juste que ça fait plus de d'infection. Ouais, le mieux c'est quand même l'empaler. Alors on avait dit qu'on enlèverait ça et qu'on prendrait purge. Très bien. Et du coup, oh, c'est chiant, j'ai mal placé mes gens au début. Tellement de sang. Packs laden with loot. Are often low on supplies. Nickel. Très bien, parfait. C'est ce que je voulais. The match is struck. A blazing star is born. Oh non. Les esprits sont derrière tout ça, je le sens. Aïe 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 aïe. Soif de sang. Oh là là. Cinglé le truc. Complètement cinglé le bouffon. Ok, parfait. In Radiance, may we find victory. Nickel. Ça m'intéresse, là c'est cool. Acha. Mechanical hazards possessed by evil intent. Ah oui, elle a la vitesse plus 6 parce que elle s'est bien amusée au bordel. Ah, on va les soigner. D'abord. Ça. Très joli. À faire attention à ces merdes. Injury.
palpable fear. On va essayer de tuer ça rapidement. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Oh, la vache. Bien. Ok, on n'a qu'à déstresser maintenant et on est bon. The wounds of war can be healed, but never hidden. Mon Dieu. Ouais, oui. On va peut-être un peu trop vite là. Ghoulish horrors, brought low and driven into the mud. Vache quoi. Ah, je crois que c'est le bouffon qui rend le truc un peu simple. J'en sais rien en fait, si c'est le bouffon ou pas. Ok, très bien. Bah du coup on a bientôt fini. Parfait, c'est ce que je voulais. Ouais, on a qu'à prendre le trésor. Cruel machinations spring to life with a singular purpose. Okay. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Parti. Oh putain, c'est les araignées. C'est nul. C'est complètement nul. Chance, il devrait résister. Ouais. Pas mal. C'est bien d'avoir un lépreux pour tank. Hein. Avec tout ça là, c'est ouf. Ah oui, mais en plus il y a la l'eau bénite. Death waits. Oh, tiens, ça c'est. On est à combien? On est à 153. Bon, le stress, c'est pas... On n'arrive pas vraiment à le descendre. On fait pas assez durer les combats, en fait, pour faire des cycles de déstress. De déstressage, j'ai envie de dire. Donc combien d'expérience en plus? 33% ça? Non, 50%.
50%. Eradicated. Ah oui, après j'arrête pas de faire la musique de Destress pour au lieu de la précision, donc c'est normal. Nickel. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ça c'était beau ça. The twisting tunnels seem a little less impossible. J'avoue que là là c'était beau là. Que se passe-t-il? Excusez-moi, le si vous avez entendu un son de Windows, c'est ça vient de là, désolé. Avoir un pop-up de ces cleaners et tout ça. Alors, bref. Très bien. Fais-moi rêver, fais-moi rêver. Merde. Maîtrise des armes, instinct de combat. Ah, je suis un peu déçu quand même. Tout petit peu déçu. Ouais, je pensais vraiment. Toi, t'as fait juste un niveau en fait. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas passer à 5 et tu seras genre à un point de détermination. Il te manquera un point de détermination, c'est ça? Bête. Ah, et par contre, toi, t'as eu maîtrise des armes. Donc, tant mieux. Voilà. Elle est jolie, l'image. Très bien. Instant combat. Instant combat qui est pas si mal. Ouais, bof. Bah du coup, je suis un peu déçu quand même. Hein. Ouais. Je suis un tout petit peu déçu. Moins 20%. On peut refaire un run, je pense. Je pense qu'on peut refaire un run. Donc toi t'es passé 6. Donc du coup on peut prendre Giant Dad à la place. Fais voir. On ne peut pas retirer les choses rapidement. C'est ce qu'on vend. On peut prendre Giant Dad. Précision. Et du coup, ce sera un peu mieux. Emerald, on te vire, on prend Urnival, maîtrise des armures. Attends, t'as maîtrise des armures, est-ce qu'on t'a mis ton armure au max, toi? Oui. Du coup, on peut prendre... Parce que je pense que ça va être notre équipe, en fait, ça. Plus j'y pense et plus je me dis que ça va être notre équipe pour le dernier combat. Parce que ce qui est vachement bien avec le bouffon là, c'est que on peut maintenir Gaël en tant que tank dans un sens, genre en mettant précision, protection et trucs comme ça. Puis
Non, il va quand même faire des bons dégâts parce qu'il va souvent critter et tout ça. Il va souvent faire des crits. Donc je trouve pas mal. Et puis le... Ouais, non, lui, il est vraiment cool. Hein. Enfin, eux. Les brise-boucliers sont vachement sympas. Donc, ouais. Alors. Furnival ou quelqu'un d'autre? On peut prendre Gwendoline. Attends, si on fait un truc long, là c'est quoi ça? Terminer sans rendez-vous de combat. Le livre stress moins 20, est-ce qu'il est pas plus intéressant? C'est pas rien. Ça il faudra les faire aussi, mais bon, pour l'instant. C'est pas l'optique en fait. Après on pourrait avoir deux chasseurs de primes avec ça. Le livre de stress on ne l'utilise jamais. On en a un en plus je crois. Où sont les livres? On en a un ou pas? Ouais. Ouais. Elle, c'est... on va l'utiliser, elle. Donc peut-être qu'on peut prendre un autre soin, en fait. Comme ça, elle sera prête directement. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est où, Emerald? Là. Toi, t'as un peu de stress, par contre. Mais au moins, t'es équipé. On pourrait mettre moins d'esquive et tout ça, mais honnêtement, l'esquive, je la trouve vraiment bien. Là, on a que 8, là, on a 10. Ah, quoi qu'on pourrait mettre ça à la place pour éviter d'avoir un problème de stress. Ouais, pour éviter le problème de stress. Et là, on a des HP en plus. Qui veut des HP? Qui veut des HP avec de l'esquive? HP avec de l'esquive. Là on a protection esquive, là on a un peu moins d'esquive, on a plus d'HP. Alors comme ça. Je sais pas. Ça augmente en moins les HP parce que c'est vrai qu'il en a pas beaucoup. Lui il a beaucoup d'esquive de base en fait. Donc déjà, et après on lui met le manteau de l'ancêtre qui est vraiment le... top du top. Ok. Je vais voir un peu les augmentations qu'on peut faire. On est à 34k. Donc faut voir les gens qu'on va me prendre avec nous. Donc, toi tu pourrais faire ça. Non, toi non. T'es bon. Ok. Il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose à augmenter en fait. Limite il y a les deux musiques en fait, tout simplement. Là on passe à combien? Stress moins 12 et 20%. Et là, on passe à. Là, on gagne quoi? 1 de vitesse, 2 de précision et 1 de crit. Ok. Pas mal, pas mal. Vraiment pas mal. Plein de blasons. On peut faire ça du coup. Pour les camps, pour le campement, pardon. Pour le campement, pour les, le camping. 2, 3, 4, c'est bon. 3, 4, c'est bon. Il y a ça. Il faudrait qu'on le prenne.
Après, c'est que elle, donc c'est pas trop grave. Est-ce pour pousser les gens. Toi, ok. On est bon, on a notre équipe. Je pense qu'on a notre équipe. Bon, mais du coup, on va faire quoi? C'est pas un peu le problème. Du coup, on va faire quoi? Genre, pas un truc long quand même, hein, faut pas exagérer. Parce qu'il y a quand même deux qui sont pas niveau 6. Donc ça va dépendre de ça ou le livre. J'ai envie de dire, le livre il est vachement bien, mais... Et merde, qu'est-ce qui se passe encore? Désolé. Mon ordi qui fait nawak, ok. Tout va bien, désolé. Le livre on... il est bien. Mais le livre, c'est pas comme si on l'utilisait. Après, ça, c'est encore pire. Parce qu'on l'utilise encore moins. Quoi. Ouais, on peut peut-être prendre un deuxième livre. Alors, la crique, c'est... la crique, c'est avec les poissons. Les poiscailles. Du coup, ça peut être bien pour enlever les trucs négatifs aussi. Les attributs négatifs. Ça, c'est cool. Donc, let's go. Bien. C'est qui donne des herbes médicinales là comme ça? Peut-être elle. Et elle? La Vestale? Peut-être les deux soins? Arrête de faire des trucs creepy, mec. C'est dégueulasse quoi. Comme ça. On est bon. On a des herbes surtout pour... parce qu'il y a pas mal de trucs avec des herbes ici. Donc, ça peut aider. C'est pas mal. Voilà, c'est joli comme ça. Let's go. J'ai hâte de passer à Darkest Dungeon 2 hein, quand même. These salt-soaked caverns are teeming de voir comment ça marche. Nightmares. They must be flushed out. Qu'est-ce qu'on a à faire? T'as mis les combats. Ok, on peut passer par là. C'est grand ou pas? Non, ça va. Ah. Vas-y, go. Yes. Endurance. PV max. Nickel. Quand on regarde le fond aussi, c'est vachement sympa hein, de voir les détails et tout qu'ils ont fait. Le fond d'écran là. Non. Nul. Nul. Tu nous as coûté de la nourriture. En plus, vous bouffez, bande d'idiots. Non mais... Oh là 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 là. Je
Bien. Moins bien. Là, doucement. C'est pas parce qu'il a plus d'HP maintenant, enfin elle a plus d'HP qu'il faut la taper. Hein. Putain. Oh, 14. Aïe, 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 aïe. Continue the onslaught. Destroy them all. Je crois qu'on va avoir un problème avec avec elle. C'est heureux qu'on lui a enlevé les... Enfin, on lui a pas trop mis d'objets, je crois, pour le stress. Rien qui augmente le stress. Aïe aïe. Là, vous faites mal quand même, hein. Peut-être quand même très très mal. Hein. Je sais pas ce qui vous arrive. Mais... Confidence surges as the enemy crumbles. Pourquoi elle? Ah, c'est elle qui a le plus élevé, quoi. Tu vas mourir, non. Par contre, toi, t'as bonne vitesse, non? Tu vas passer devant. Ah, quoique. Allez, on teste. Allez, coup de la lance, non? Coup de la lance, maintenant. Let's go. Yes. The ground quakes. T'as l'air con maintenant. Mais c'est le stress un peu. Si on peut faire un tour, vite fait. Très... Arrêtez de jouer, des renforts vont débarquer. Ça marche. Joli, là on a fait une, ouais, une bonne séance de d'anti-stress. Là. This expedition at least promises success. Ça, ça fait plaisir. Ouh, joli. Plein de bordel. Ah, ok. Chaud. Chaud, 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 chaud. A singular strike.
La merde. Ah, on va pouvoir taper lui direct, comme ça on le tue, avec la lancière là. Voilà. Magnifique. Protection. J'adore cette classe maintenant. Le fait que... Le fait de taper, ça met de la protection, c'est superbe. En fait, c'est superbe. Ah oui, putain, le saignement de fou. Oh la vache. J'avais un peu oublié ça. Ça dure combien de temps? 3 tours. Ça fait 30 HP qui partent. J'avoue, le saignement avec eux, c'est la merde. On va l'enlever. Non, t'as loupé le machin. Non, me refais. Pendant 5 tours. Là, c'est 50 HP quand même. Hein. Non mais allez vous faire foutre là quand même, là vous faites exprès là. Voilà. Give them no quarter. Bon, le touche plus s'il te plaît. Enfin la touche plus, mon... Non, non. Ok. Oi, 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 oi. Mon Dieu, je vais le tuer. Pas saignement, pas saignement, pas saignement. Putain! C'est chaud. Their cursed champion falls. C'est quand même bien catastrophique, hein, ces machins. So too will resistance. Quand même bien catastrophique. Ça nous fait pas mal de trucs. Non, mais c'est bon. Packs laden with loot are often low on supplies. J'aurais dû peut-être changer. Ok, t'as eu chasse aux bêtes au lieu. Ok, ça marche. Parce que j'avais pas envie de perdre endurance en fait. The match is struck. A blazing star is born. Ah, il y a aussi un truc, ça s'appelle surprise. Ça serait quelque chose de bien, honnêtement, de faire. Je dis ça comme ça, hein, les mecs. Hein. Comme vous voulez. Après, vous le sentez pas. Mais ça serait pas mal. Genre, surprise. Pas mal. Et puis, esquive. C'est aussi une autre chose. Stratégiquement, c'est pas mal. Aïe. Ah, c'est pas trop grave. Sedated. Sedated. Ah merde. Yeah.
Ils tapent un peu n'importe où les machins, sans deck. Hein. La marque là quand même, faut un peu la regarder au bout d'un moment. Oh la vache. Waouh, il y en a un, il a trouvé la marque quoi, putain. Sedated. Ah oh, la pute, j'ai fait exprès pour qu'on... La marque, les mecs, la marque. La marque, et merci mon dieu. Mon dieu. Ah, les machins. Bah après, c'est des poissons débiles, quoi. Je suppose que c'est les poissons rouges, hein. Ils voient la marque, après ils oublient. Hein. Ah oui, non, ça doit être ça, hein, des poissons rouges, ça. Ils sont peut-être bleus, mais ils sont des poissons rouges. J'arrive pas à soigner quoi. Tellement qu'ils ignorent la marque, j'arrive pas à soigner, c'est incroyable. Ah, regarde-moi ça. Ah la vache. Puis vive l'esquive. Incroyable. Ah, et tu t'es rappelé que tu pouvais faire des crits aussi? Ouais, mais tu crites le mec avec le plus d'HP, quoi. Ça aide pas vraiment. Eh ben. A trifling victory, but a victory nonetheless. Yes. Ah tiens, on peut sortir de la zone et toujours avoir ça, d'accord. On prend plus de contrats, je pense. Une carte, yes. Yes. Qui 1, 2, 3 et 4 du coup, 4 combats. Le reste. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Ah non. On aurait pu enfin un truc. On va camper. Putain, j'espère qu'on va pas avoir le rêve. Hein. Gathered close in tenuous firelight, an uneasy companionship. Okay. Ding ding. Là on a la protection. On va prendre critique. Précision. Ou alors ça. Non, je veux dire ça. C'est vrai que. Non, ça. Non, critique et précision. Et après on va faire protection et PV. Ouais. Et on a quoi? On a deux. Ah ben. Nickel. On peut le mettre. Nickel. Allez, pas de rêve cette fois, parce que je voudrais pas, honnêtement, rester trop longtemps ici. Parce que des fois, c'est un peu relou ici, apparemment.
The light, the promise of safety. Ah, suffit juste de demander. Bon bah cette équipe pour le boss hein, de fin, hein, je pense que ça passe. Ami, ce qui manquerait c'est du dot, mais peut-être qu'on peut jouer plus infection. Mais bon, après il y a Giant Dad là qui va faire des super coups. Parce que là en plus on a même pas mis le buff là. Donc bon. Eh ben. Ah, j'ai mis des gens qui devaient enlever les maladies, je crois pas. Je me rappelle plus si je l'ai mis, je les ai mis au docteur. Ah, c'est pas vrai. Ah putain, j'ai bougé la souris trop loin. J'ai tapé le cadavre, merde. Après j'imagine aussi que le stress ça va nous aider. Ce qui est bien en fait avec le bouffon c'est que bon ça aide pour le stress et tout. Mais en fait je crois que lui, le bouffon en fait de lui-même, il fait pas grand chose. En dégâts en fait, il fait pas grand chose. À part bon il peut mettre un peu de dot et tout ça mais basta quoi. Alors après oui je sais qu'on peut le stuffer en coup critique là, avec le final. On n'a pas d'obstacle. In Radiance, may we find victory. Je sais qu'on peut le stuffer comme ça. L'enfer, un gros DPS et tout, il fait extrêmement mal. Et puis on peut faire ça. Oh la vache, tous les bijoux. Quoi. As the light gains purchase. Spirits are lifted, and purpose is made clear. Si jamais on tombe sur un gros crabe, je vais gueuler. Je vais gueuler. Oh la! Oh mon dieu, ça va être horrible. Donc oui, donc il apporte pas énormément en fait, si. La porte du buff surtout. Donc dans un sens, les DPS peuvent être un peu moins genre boostés. On peut one-shot ça? Ouais, on pourrait, mais c'est pas sûr. J'espère qu'il va taper que Giant Dad, hein, parce que lui il est boosté au moins pour la résistance au saignement. Mais du coup voilà, il booste toute l'équipe en fait, donc toute l'équipe devient plus forte. Donc à la limite on peut même booster, on peut même mettre du défensif en fait sur l'équipe. J'ai envie de dire. Genre parce que là on n'a pas vraiment beaucoup de babioles en dégâts. J'ai envie de dire.
Mais ça fonctionne. Pourquoi? Parce que bah, on a un taux de critique extrêmement élevé, par exemple. Donc on fait quand même des très bons dégâts. Quand on critique, évidemment. Oh non. Okay. Absolument tuer très vite. Toi aussi, il faut te tuer. The wounds of war can be healed, but never hidden. Très bien. Donc je regarde le taux de critique qu'on a. Oh non. Non 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 non. Oh mais c'est combien de pourcentage d'enseignement quoi. The wounds of war can be healed, but never hidden. Un peu 46% de crit et le mec il crit jamais, le mec il crit jamais, c'est magnifique. Aïe aïe aïe. Ok, je devrais mettre de l'eau bénite en fait sur tout le monde maintenant. Eh ben enfin. Donc ouais, je pense que c'est pas mal en fait. Ça permet d'être un peu plus libre dans... Je pense que ça permet d'être un tout petit peu plus libre dans les babioles. Voilà. Chier. Inspiration and improvement. J'aurais dû le stun. Le machin il ignore la marque quoi, c'est ouf. Je vais mettre une eau bénite sur notre brise bouclier. Voilà. Trop tard. Putain de merde. Ah quoi que non, c'est pas saignement ça. Ça va. Garde inefficace, ça, ça tue. Ah, mais oui, mais je peux faire... Je peux faire ça sur l'ennemi, comme ça, je lui brise la garde. Intéressant. Intéressant. Ça se fait à quel niveau? Oui, à partout en fait. Ignore la garde, destruction de garde. Donc, hop. Maintenant il est à zéro, non? Comme ça que ça marche? Bah putain de toi. Alors le... Ah non. Le crabe il va sûrement taper elle, alors qu'elle je lui ai pas mis de... d'eau bénite, non? Oh. Oh non. Non ça va, il va pas bouger. Donc là, garde inefficace. Well struck.
Je vais voir. Faut que... Ah, mais non, Big Daddy peut pas jouer. Big Daddy. Giant Dad. Big Daddy, c'est dans l'autre jeu, ça. Giant Dad. Putain, je voulais voir si ça marchait bien, genre... Oui. Non, le saignement, il est passé. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Oula, qu'est-ce qu'ils sont relous les machins. Il est horrible ce crabe, il est horrible. Vigor is restored. Très bien. Catastrophe ce crabe. Alors, fais voir. 8 à 17, c'est normal ça? Je sais pas. Executed. Oh non. Oh, ok. Allez, là, de la vitesse en moins, on passe tous dessus. Enfin, vous avez compris. Voilà. Eh ben. Putain, niveau catastrophe, ça se pose bien. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Vache quoi. C'est quoi ça déjà? Ah, c'est pour enlever des trucs. Je voudrais bien enlever perfectionniste. Ah non, c'est qui touche tout là? Compulsion. Après toi, t'as quoi? Paranormal. Esprit tourmenté. Ouais, ils ont tous des trucs un peu relous en fait. Genre stress lors d'une attaque ratée, ça, c'est un peu relou. Peur de lui. Putain, mais c'est vraiment, c'est la mauvaise que t'enlèves quoi. Bon après lui on l'enverra loquer ça et on enlèvera perfectionniste. Ah putain. Ah la casse-couille. Non mais t'es... Ancient traps lie in wait. Unsprung and thirsting for blood. Pas de crabe, pas de crabe, pas de crabe, yes. Ah putain, on a un connard derrière. Bah, je sais pas si c'est... Ah, ça devrait être mieux. Waouh. T'en as loupé 3. T'en as loupé 3. Pas mal. C'est marrant, elle a pas stressé. Peut-être qu'en AO ça fonctionne pas en fait le stress. Ou alors tant qu'on touche une cible, ça fait comme si on était bon. Faire toi.
Arrête de faire un crit sur, sur Giant Dad. Y'a pas de problème de stress. Quickly the tide turns. Non mais... On va faire un peu de ça parce que là on... Là on loupe là. Non ça fait chier. Ah il va passer. Ouais. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix de buffer la précision. On verra si je vais le regretter. Bah oui, bah non. Je sais pas. Ah, nickel, t'es passé devant. Bienvenue. Là, on maintient. On maintient. Yes. Peut-être qu'on peut le tuer avec le Perse bouclier. Ou comme ça. La merde. Violence. Frustration and fury. More destructive than 100 cannons. Perched at the very precipice of oblivion. La marque elle dure combien de temps quoi? Destroyed. Ah! Let's go! C'est le dernier combat en plus hein. Enfin, non, j'aurais dû buffer tout le monde en fait. Je devrais nous enfuir, pas du tout. Ah, merci, un bon heal. Putain. Ah, j'aurais dû détruire peut-être la garde. Ah non, ça va. Seigneur, tu n'as qu'à te suicider. C'est cruel de les encourager. Ah! Oh la vache quoi. The wounds of war can be healed, but never hidden. Tant que ta langue s'évitera, la pénédiction sera pas. Wow. Ah il est violent hein. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ah, il a dit la phrase. Oh, il a dit la phrase. Let's go. Vas-y, tout le monde 6. Tout le monde 6, sinon je quitte. For a time. Tout le monde 6. Ouais, si je passais aussi, ça irait plus vite. Yes, yes. Nickel. Oiseau de nuit. Crampe d'estomac, ennui. Nickel. Nickel. A fresh irritant, the sum.
a sanguine memory to me. Nickel. Ah tiens, un flagellant. Flagellant, ça peut être utile. Pour notre... la cour, là. Pour le DLC. Je vais virer ça, ça m'intéresse pas, je pense. Le chien. Je vais virer les niveaux. Hein. This one has merde. Become vestigial. Useless. Voilà. Après, on a un homme d'armes, ça serait bien d'en avoir un deuxième, parce qu'on en a qu'un seul au final. Enfin, je crois bien qu'on en a qu'un seul. Ouais, ouais. On a que Vanguard en fait. Ouais. On a que Vanguard, donc je dirais pas non pour un autre. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc. Giant Dad, c'est nickel. Toi, tu as Endurance. Que je voudrais bloquer. Maître d'armes, on a déjà l'arme montée. Ennui. Crampe. Compétence de soins au campement, ça va. Et en fait, lui, il a. Enfin, c'est pas trop grave. Hein. Il faut juste de la vitesse, hein, quand même. Après, oui, c'est vrai que des fois, on l'utilise pour faire. Pour faire des dégâts, mais c'est pas trop grave. Attends, qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais, toi. Hop, tu lances. Oh la vache, autant! Ouais, c'est perfectionné. Stress lors d'une attaque ratée. C'est chiant ça. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est? T'as me faire quoi toi? Rien spécial. Va méditer. Non, tu es fou, tu peux pas méditer. Va voir. Ok. Ok, ok. Quelle. Soleil, convention médicale. Soleil dans les fourrés. Je sais pas ce que c'est. C'est là, genre plus de dégâts, je sais pas. Convention médicale, c'est quoi déjà? Genre les, la... tout ce qui est médical, c'est gratuit. Alors on n'a pas trop vraiment pas trop besoin en fait en ce moment. On aurait dû attendre l'autre en fait. Oh, fait chier. J'aurais pu économiser 12 000. Ouais. J'aurais pu économiser 12 000. Pas grave. Alors. Toi. Ça t'as pas la, le même même design que l'autre. Ouais. Alors maintenant on va passer le temps. On va faire de l'argent en fait. Il me faut de l'argent. Donc on va faire de l'argent. Promesse de l'Est. Ah, pas mal.
Voilà, ça c'est des pièces vétérans. Quoique, on peut faire peut-être monter des niveaux 3 à 4. Peut-être un peu plus intéressant. Là. À 4 pour les boss. Attends. Ça. Ok. Pour camper aussi, ça passe bien. Ouais, je pense faire ça. Par contre, je sais pas si je vais mettre fin à l'épisode ou je le coupe. J'ai extrêmement faim. Extrêmement faim, là. Ah, ça devrait pas durer trop longtemps. Allez, on va le faire. On va d'abord s'équiper. T'as quoi comme maladie, toi? Ouais, ça va. Ouais, on va faire comme ça, comme... et on va aller donc là. Wild. Ou alors on peut même aller là, mais... Pièce de combat, c'est chiant. 90% des pièces, c'est bien. Genre, comme ça, on est niveau 4. Ça nous ferait d'autres personnages au niveau 4. Et ils peuvent toujours aller en vétéran. Les vétérans, ça permet de faire les boss qui vont venir. Parce que je crois qu'on en a encore deux. Donc, autant en profiter. Alors, hop. Hop. Le chien. Pas mal. Ça c'est soin reçu. Ah non, c'est pas soin donné. J'ai cru que c'était soin reçu. Je crois que c'était soin donné en fait aux autres. Alors, vitesse, esquive, défense. Comme ça. Comme ça. Je pense. Qu'on lui mettait à elle? Ah oui, les trucs de vitesse. Oui, qu'elle aille plus vite. On a, oui, trucs de la nourriture, soins reçus, PV main, dégâts de supérieur. Tourdissement. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre d'autre? Là, on va taper quoi? Je me rappelle plus déjà. Genre le wield. Ah, c'est les bêtes. Non, c'est les humains. Humains bêtes. Humains bêtes horreur. Humains bêtes horreur. Après, il y a ça qui pourrait être utile. Mais... Ah, je sais jamais quoi mettre, ça fait chier. Bête. Il y a des personnages, je sais pas trop quoi leur mettre en fait. Est-ce qu'on met de l'attaque? Qu'est-ce qu'on met de la défense? Puis en plus, le chien il a rien. Alors peut-être que le truc en or il doit être mieux, mais parce que là c'est vraiment de la merde en fait. Enfin, en tout cas, pour ce que je veux faire, c'est pas vraiment utile. Je mettrais ça par défaut, mais bon. Si on peut faire...
des dégâts aux monstres un peu mieux, ce serait bien. Genre humain. On a des trucs contre les humains. Voilà. Pour se reposer, est-ce qu'on peut se reposer en paix? Donc on a ça, sinon on a quoi d'autre? Il faut acheter... Ah ça, ça c'est très bien. Ouais, on est bon. À peu près tout le reste, on se débrouillera avec ce qu'on a. Nickel, let's go. Donc, 90% des pièces, ça marche. Ah merde. Hop, hop. 5. Quoi 5? Je sais pas. Belle. Il nous faudrait des beaucoup de ça. 5. Les antidotes aussi, juste au cas où. Qu'est-ce qui me manque là? Il me manque un truc, hein. Bandage. Ouais, comme ça. Alors. Oh, pardon. I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. Ah ça, tu l'as dit. Alors. 90% des pièces. Nickel. Pas nickel. Ah, bien, bien, bien. Déjà, ça nous fait une salle de fête. Y a rien. Je veux faire un peu d'argent, mais je veux surtout passer une semaine. Et honnêtement, si on a assez d'argent, on go le boss la prochaine fois. On go le dernier assaut contre le Darkest Dungeon. Tourdissement. Hop. Donc ça c'est des bêtes, ça c'est un impie. Exposed to a killing blow. Doucement avec le stress là, doucement. Je vois pas pourquoi on stresse autant. C'est vraiment pas nécessaire. A brilliant confluence of skill and purpose. A dizzying blow to body and brain. Stress plus 15%, je suis chier. Ah mais après on peut le soigner le stress. J'avais légèrement oublié ça. Blazing star is born.
Très bien. On va lui faire des dégâts parce que... C'est un peu relou là. Voilà. Magnifique. Magnifique. Et merde. C'est elle qu'il fallait utiliser. Ok, nickel, un repérage. Un combat. Ça va. Executed with impunity. Be gone, fiend. Voilà. Bien. Tout le monde a fait du super boulot. Bravo. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ah bah bravo. On est là pour faire de l'argent, pas faire n'importe quoi. Oh. On prend maintenant ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On le prend maintenant, le coffre? On va attendre. Oh! Oh! Oh non! A time to perform beyond one's limits. In Radiance, may we find victory. Très bien. J'aurais dû stun le truc en fait. Hop, très bien. Inspiration and improvement. Ah, le chien qui esquive tout quoi, c'est ouf. Là, c'est foutage de gueule. Là. Très bien. Occupons-nous du géant. Donc, humain bête. Et bête, ouais, c'est pas mal. Oh oh. Ouais, bien, bien joué. A hand's breadth from becoming unwound. Aïe aïe aïe. Évidemment, hein, faut qu'ils ignorent la marque. Hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Hein. Incroyable. J'ai envie de prendre deux antiquaires. Comme ça, en théorie, parce que là, on fait sur deux tours, ça fait genre, on va dire que c'est 10 le maximum. Quand on est au max. Donc, ça ferait, c'est 20. Le maximum, on peut faire 20. Puis après, en fait, ça s'estompe et on en remet, etc. etc. Donc, ça peut pas aller plus haut que 20. Et du coup, avec deux antiquaires, on serait à du 40, plus 40 d'esquive. Ça pourrait être marrant.
monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Et je me demande si on peut stacker plus d'or si on a deux. Si on en a deux dans l'inventaire, dans l'équipe. Ah merde. Parce que je pense que ça pourrait être pas mal. Lit. The path is clear. Marque pendant deux combats. We require only the strength to follow it. Bien. Deux antiquaires. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre après? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Un truc qui esquive. Il y a Karian, le... celle avec la pioche là. Comment ça s'appelle? Chercheur d'or, ou pas quoi là. Ça peut être pas mal, ça, parce qu'elle a pas mal d'esquive. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Enfin, après, à ce niveau-là, honnêtement, il y a tout le monde qui peut passer. Hein, avec genre plus 40 d'esquive, il en faut pas beaucoup dans les babioles pour que ça soit extrêmement bien. Donc on peut plus ou moins mettre n'importe qui. Mais après il faudrait quelqu'un qui peut soigner en fait. Mais pas un Vestal ou un Oculiste, parce que sinon on va manquer de dégâts. Donc en gros ça serait qu'est-ce qui se passe? Ah elle passe sans toi. Ouais, quelque chose qui peut soigner. Bah, y a le croisé. On peut faire deux croisés. Ah tiens, deux croisés en arrière. Avec... avec deux antiquaires, qu'est-ce que ça te donnerait? Ah la putain de toi. Qu'est-ce que ça te donnerait? Et bien sûr, on est basé sur l'esquive. Parce que le croisé peut soigner en fait. En même temps. C'est pour ça que je suis en train de penser à ça. Et on les met tous les deux à l'arrière. Comme ça, ils font le lancer là. Et on spamme ça pour faire les dégâts. Et en théorie, on se fait jamais toucher. Et puis si jamais on doit soigner ou déstresser, et ben... y a les croisés quoi. Je sais pas, ça me semble pas mal. Oh, pas mal ça. Pas mal. Ben, on va camper ici, tiens. Ouais, non, ça me semble bien. Comme ça, deux croisés, deux antiquaires. Faudrait tester. On va tester.
Action. Mal. Bon, on a pas grand chose. On a beaucoup de anti-stress en fait. Précision et esquive. On va te mettre ça à toi parce que comme ça t'auras un peu plus d'esquive. Voilà. Ouais non, ça pourrait être pas mal je crois. Dans l'idéal. Puis ils sont résistants les croisés. Je sais pas. Il y a un truc qu'il faut que je fasse. C'est Vestal. Avec. Alors. C'est quoi tout ça? Trinkets and baubles. Paid for in blood. On va retourner là. C'est Vestal. Non! Enfin bref. Avec un maître d'armes. Obsession pour les choses matérielles, c'est ça, matérialiste en fait. C'est ça qu'il faut. Bref. Maître d'armes avec croisé. Avec. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Maître d'armes, croisé, Vestal et lépreux. Yes, let's go. Et lépreux. Donc lépreux en premier. Suivi du... Après ça dépend en fait. Ça dépend qui joue plus rapidement en fait. Si c'est le croisé ou... le maître d'armes. Et genre le début. Genre le début du run. Le premier tour. Ça serait... Donc on met protection. Genre les deux de devant là, donc le lépreux et le croisé par exemple, ils mettent, ils font leur protection, leur rempart et tout ça là, donc ils ont protection plus les deux, et après t'as le maître d'armes qui protège le Vestal, comme ça ils ont tous protection plus en fait, ils ont tous un boost de protection, donc ils sont quasiment invincibles, ils prennent très peu de dégâts, bien sûr on les équipe. On les équipe avec des babioles qui augmentent la protection. C'est un peu le but du jeu. Et on fait ça. Et en théorie, ça peut être pas mal. Et pour les dégâts, ce qu'on peut faire, c'est le croisé, il fait la lance. Le maître d'armes, il fait le coup de bouclier, parce que du coup, ça le fait avancer. Donc eux ils seraient genre 2 et 3 et ils inversent, ils arrêtent pas d'inverser en fait leurs attaques. Ça serait vraiment pas mal, je pense. Ça serait marrant de faire ça. Qu'est-ce qu'on doit faire ici nous? 90% des pièces. En théorie, ça devrait être potable en fait de faire ça.
humain horreur. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Donc ça serait juste des gros tanks en fait, des trucs avec beaucoup d'HP qui crèvent jamais. Ça devrait être super safe, sauf si il y a des dots de partout, mais bon. On fait attention quoi. Ouais, je sais pas, ça pourrait être marrant. J'ai envie de tester ça. Moi. Par contre, faudrait un bon Vestal aussi. Hein. Il faut un truc qui fasse des gros soins quand même, hein, qui soit augmenté en soins en fait. Ou alors les autres ils aient soins reçus, plus 20%, un truc comme ça. Un peu comme Vanguard, Vanguard je crois qu'il a ça. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Je pense que ça serait super safe, normalement. Merde, il va même pas mourir lui. Ah, s'il avait un HP de trop en fait. Boum. Mais ouais, je pense que ça pourrait être intéressant de jouer comme ça. J'aurais dû peut-être soigner. Ah, c'est pas grave. Et boum! Confidence surges as the enemy crumbles. Packs laden with loot are often low on supplies. Ah, ça donne envie, hein, mais bon, on est là pour l'argent, c'est pas grave. Ah merde, le combat qui est venu. Ah oui, le risque, à la limite, c'est que. En fait, plus ou moins tout le monde est lent. Si on prend des croisés, lépreux, hommes d'armes. Donc ça c'est le risque, c'est de se faire défoncer en fait au premier tour. Genre avec beaucoup de stress ou des conneries comme ça. Mais bon, en théorie, avec des gros machins, ça devrait pas broncher quoi. Avec des grosses classes comme ça, avec beaucoup d'HP, beaucoup de défense et tout. Via le croisé pour descendre le stress au pire. Donc ça devrait passer. Après notre Vanguard est très rapide quand même, pour un maître d'armes. Ça pourrait être une stratégie. Intéressant.
Ah mais il laisse pas de cadavre. Je voulais pas taper lui en fait, parce que je voulais qu'il meure de dot pour pas laisser de cadavre, mais les chiens ils laissent pas de cadavre de base. Maintenant on est bon, il a avancé de toute façon le géant. La goule. Great is the weapon that cuts on its own. Et ouais, je trouve que ça pourrait être un truc sympa. Greater the glory. J'ai envie de virer les biscuits tellement que... Je pense que ça nous fait un pas mal d'argent. Ça. Géant. Là par exemple il y a quand même une facilité avec l'antiquaire aussi parce qu'elle peut directement mettre du... Elle peut directement mettre de l'esquive en fait sur tout le monde au lieu de devoir... mettre la marque. Donc ça aussi il y a une facilité, c'est pas mal. Sauf quand les gens ils savent pas ce que c'est esquiver, ça aussi ça c'est un problème. Qu'on va utiliser le biscuit. Oh la vache, s'il te plaît, quoi, lâche-moi la grappe, le chien. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Et après, une autre chose que je veux tester, c'est avoir un croisé. Oh merde. Pas sans toi. Un croisé ou alors mousquetaire. Ou arbalétrière. Peu importe l'un ou l'autre, en fait, vu que c'est les mêmes classes. Pour soigner. Je pense que. Alors, idéalement, j'aimerais. Plus avoir un mousquetaire parce que je préfère le gun en fait à l'arbalète. Et je pense que c'est mieux aussi pour soigner parce que on a l'effet genre plus on soigne et plus les soins reçus augmentent et tout ça là. Ça peut être pas mal ça. Et je crois que les soins reçus marchent avec la nourriture aussi. Du genre on soigne une fois, vous avez un buff de soins reçus plus 33%, un truc comme ça. Et quand vous sortez du combat, vous utilisez la nourriture très vite, bah vous allez avoir plus de tout simplement plus d'HP. C'est pas mal ça aussi. Et c'est des petites choses comme ça, mais ça peut aider. Mais ouais, je voudrais vraiment avoir un truc comme ça, un DPS qui peuvent soigner. Sans utiliser de vrais soigneurs, genre Vestal et tout ça. Ouais, marrant. Elle s'en sort pas avec son saignement, putain. Enfin.
success so clearly in view? Or is it merely a trick of the light? J'espère que je ne vais pas regretter. Complexe d'infériorité, ce serait vraiment bien que tu le vois. Ok, c'est bon, on se casse. Paths and roads bring soldiers and supplies. Let them arrive. 21k. J'aurais pu mieux faire, mais ça va. Ah, ils sont pas passés 4. C'est pas grave. C'est pas grave. On laisse ça monter, c'est déjà ça. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Souffre plus de violence, très bien. Waouh. 0-0, ok. Pas mal. Elle est pas mal celle-là. Alors. Bah, du coup, ça s'est bien passé, hein, je vais être honnête. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Je crois qu'on a deux objets ancestraux. On a le portrait et ça, c'est quoi? C'est une lanterne. Je crois que c'est les deux qui nous restent, ouais. Pas vraiment très très intéressant. Genre, ouais, mousquetaire, compétence de soin 33%. Des trucs comme ça, là, ça peut être pas mal. Mais je veux vraiment tester des trucs. Mais pour ça que, en fait, tester, c'est dangereux. Parce qu'on peut mal finir. Et perdre un héros à ce point-là du jeu, ça va être très très handicapant quand même. Donc là, on a des bons héros, genre, très bien augmentés avec des bonnes aptitudes, en fait, verrouillées et tout. C'est même pas le fait de mettre de l'argent, enfin oui, si, il coûte extrêmement cher aussi. Parce que même si on en a un qui est au niveau 3, du coup, il aura tout à 3, puis après, il faut le monter à 6. Donc ça fait quand même deux niveaux à chaque fois augmentés, parce que ça va jusqu'à 5. Donc ça fait énormément d'argent. Mais surtout, on a des gens avec des habilités super bien quoi. Donc faut pas en perdre. Quoi. C'est pour ça que je fais pas trop de tests un peu avec n'importe quoi. J'en ai fait quelques-uns. On est vite parti quand même, hein. Des fois, hein. Des fois c'était un peu la merde. Alors, je crois que techniquement on peut faire le dernier donjon. Enfin, si je le fais avec l'équipe que je voulais. Donc ce serait... Comme toi t'as un problème de stress. Aïe 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 aïe. Ouais, parce que ce que tu dis, toi on a bloqué endurance. Donc on peut peut-être faire une autre mission avant. Genre on avait dit quoi? On avait dit ça, Gaël. Genre comme ça, je crois. Ça serait notre groupe pour le combat final. Notre groupe pour le combat final. Après, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Une antiquaire, bof. Kiaran, elle est chiante à utiliser. Elle est marrante, elle est bien. Elle est fun, en fait. Mais l'efficacité, c'est pas trop ça. Ça dépend vraiment des critiques. Donc du coup, il faudrait lui mettre un bouffon, puis en plus elle fait bouger les gens à chaque fois, donc c'est très embêtant. Il faudrait que beaucoup plus de gens bougent, en fait. Les bandits, honnêtement, contre les boss, je les sens pas du tout, les bandits. Il faudrait vraiment faire du tir à bout portant et le dueliste tout le temps. Mais c'est pas très efficace, je trouve. Le chasseur de primes, je sais pas, des fois il fait des trucs bien, la plupart du temps il fait des trucs moyens. Les furies, j'aime pas du tout au final. Quand on peut dormir, en fait, c'est sympa. Parce qu'il y a quand même des bons stuff, des bons trucs. Après, avec un bouffon, tout est augmenté. Hein, donc, je parle pas du bouffon, en fait. Je parle pas du buff du bouffon. Mais c'est vrai que pouvoir faire des critiques plus souvent et tout, évidemment, tout le monde devient bien. Donc, on n'en parle pas. Mais ouais, je suis pas trop fan. Donc du coup, notre choix, ça va se résoudre avec ça.
Ça va se résoudre avec ça. La rage, on peut même la garder à la limite. Parce qu'on aura le bouffon. On aura Thomas. Thomas le bouffon, c'est bien. Jester, ça veut bien dire bouffon en fait, en anglais. Jester. Fou du roi, oui, c'est ça. Ouais. Donc, Gaël. Marcy, qui est très bien aussi. Thomas. Et elle, parce qu'on n'a pas trop de soins en fait. Ce qui est embêtant, c'est qu'elle a rien de très intéressant, elle encore. Fais voir l'autre. Genre, elle a peau dure. Voilà, que peau dure. Je crois que c'est l'autre qui a Marneilly. Elle a quoi? La ténacité. Intouchable. Ouais, non, en fait, non. Ils ont rien de très spéciaux. Non, mais ouais, je pense que. On a notre équipe. Après, les deux là sont extrêmement stressés, donc je pense pas qu'on va les prendre maintenant. On pourra les prendre plus tard. Faut peut-être virer le stress de Gaël, honnêtement. Mais j'ai peur que la rage elle parte aussi. Si elle part, c'est pas grave. On verra avec. Mais ouais, je crois qu'on a notre équipe. Et on aura Marcy qui va être notre truc bouclier qui avance, qui recule, comment tu veux que. Voilà. Après pour les dots, si jamais on a des problèmes avec les dégâts, genre vous rappelez, il y avait les. Je sais plus, c'était dans l'assaut 3, je crois. Les machins ils se soignaient là, où ils nous téléportaient un peu à droite à gauche. Là. Enfin, ils pouvaient nous téléporter à droite à gauche. On a fait beaucoup de dots et c'est pour ça que ça a marché. Je crois. Je me rappelle plus. Si, oui, c'est ça. Et on a fait des gros dégâts avec. Je crois que c'était Giant Dad qui avait fait ça. Donc c'est pour ça que c'est pas mal. Mais ça se soignait. Donc si jamais on a un problème avec ça, enfin honnêtement, avec un bouffon, Gaël, il va faire du. Il va couper les trucs, il va trancher des têtes. Hein, honnêtement. On peut toujours mettre du dot, genre du saignement là, après là on a de l'infection et tout. Il peut marquer le bouffon? Non, il peut pas marquer. Non, il peut pas marquer les autres en tout cas. Donc on peut se... Ah, et pour baisser la garde aussi, nous on peut détruire la garde en fait, rendre la garde inefficace. Donc ça aussi c'est intéressant. Si jamais il y a quelqu'un avec beaucoup... Ah non, mais garde inefficace, c'est pas garde... C'est pas la protection, c'est la garde... Genre la protection de quelqu'un, c'est ça? Je sais plus. Je crois que c'est ça, en fait. Enfin bref, de toute façon, on peut l'enlever et mettre autre chose. Mais on a l'infection. 4, par exemple. Et après, il y a ça aussi qui est pas mal. Change de crit reçu, plus 8%, vitesse moins 5. Ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Si on le fait un peu deux fois, genre en 16% de crit en plus, lui, il va faire que des crits. C'est intéressant. Je pense que ça peut être pas mal. Mais ouais, genre l'infection. Genre, là, on touche tout le monde. Là, après, on réavance. Voilà, on peut faire juste ça, 4 points. Puis ça va monter à 5, peut-être. Possiblement, ça va monter à 5, ça tue. On peut voir un peu. Oh, ça va être bien. Genre ça. Ah non, non, ça va monter à 4. Non, si. Non, de 4 à 4, 5, peut-être. Oui, ça va monter peut-être à 5. C'est déjà à 4. Ah mais non, mais il vous montre les trucs de... Ben, il y a un problème, là. Où
je sais plus lire les choses. Bah, c'est marrant, on dirait qu'il y a un bug. Ah non, genre là, esquive 25, ça passe à 27. Là, on a le mode de critique là, qui augmente. Là, il y a le mode de... Là, il n'y a pas de changement, en fait, on est d'accord? Ah si, si, mode de critique 7%. Ok, non, si, c'est bon. Et dégâts 55%. Mais on fait déjà... Du coup, on fait déjà du 4. Oui, on fait déjà du 4. Pardon, oui. Peut-être que ça monte à 5, quand même. C'est pas mal. Je crois que le meilleur, ça reste le docteur qui fait 7. Mais là, c'est pas mal. Donc, genre, en gros, si jamais on a besoin de dot, c'est un peu plus compliqué que genre le docteur, ça c'est sûr. Si on veut vraiment du dot, c'est docteur et flagellant dans la même équipe. Et là, vous défoncez tout ce qu'il y a dans le jeu, quoi. Honnêtement, pour le moment, ça a été l'équipe la plus efficace sur tout et n'importe quoi. Mais là, on va garder ces attaques-là, parce que du coup, si on veut se reculer, on fait ça. Ça touchera tout le monde, ça fait de l'infection en plus, c'est facile. Si on veut se réavancer juste pour faire des dégâts, perçage d'armure. Donc on ignore l'armure s'il y en a beaucoup. Donc très bien. Si jamais on veut spammer le dot parce que je sais pas quelle raison, pendant peut-être 2 tours, genre ça ferait 8 points de dégâts. Ou alors on va dire que c'est 5 au niveau 5. Donc ça ferait 10 points et on spamme ça. Ça peut être aussi très intéressant de spammer ça. Et ça, on bouge pas. Ça, on bouge pas. Donc après, si on veut re-avancer, hop, avancer, reculer. Genre, il faut toujours avoir un mouvement d'avancement et reculement, je pense. Et là, on peut se rebuffer. Non, non, c'est vachement sympa, là. C'est vachement sympa. Gaël, il va faire super DPS avec comme ça. Voilà, nickel. Super DPS tank. Chester, bah, il va pas changer, hein, il va faire ces trucs-là. Ouais, faire ces trucs-là. Il y a ça pour avancer. Mais en fait, le problème, la seule chose pour reculer, c'est ça. Et ça, ça reste pendant le combat entier, là, l'esquive moins 25. Et je crois qu'on peut pas l'enlever avec les herbes. Donc ça, c'est un problème. Après, faire ça pour se marquer, avoir plein d'esquives et tout, c'est pas vraiment intéressant. Mais là, ça nous permettrait d'avancer, en fait. Enfin, on n'a pas vraiment de problème pour avancer. Mais ouais, on a une attaque, quoi. Parce que ça, il faut être en 2 et 3. Là, on peut le faire partout. Donc à la limite, si on se retrouve en 4, parce que normalement, on met Jester en 3. Enfin, Thomas en 3. Si on se retrouve en 4, du coup on peut plus attaquer, on peut plus faire de dégâts, on peut que chanter, que faire de la musique. Donc du coup ça nous permet de faire des dégâts et de remonter. Non, c'est bon, on a tout géré. Hein. On a vraiment tout géré, hein. C'est bon, on a notre groupe, il n'y a pas de problème. Tiens, je me suis bourré, hop, comme ça. On a notre groupe. Et ouais, bon, il faut juste qu'on baisse le stress. Je sais pas comment ça va se fonctionner. Donc on va peut-être pas baisser le stress dans le combat. Quoique, honnêtement, je me sens bien pour le faire. Donc peut-être. Mais ouais, je pense qu'on va refaire encore un niveau. Je sais pas, on verra, je me motiverai la prochaine fois et on verra ce qu'on fait. On fait déstresser les deux et on fait autre chose en attendant. Ou alors, on va directement au donjon ténébreux. Et on gérera, quoi. Voilà, ce sera tout pour cet épisode qui était un peu long. Donc, à la prochaine, portez-vous bien. Je vais peut-être les équiper et tout, déjà. Et on verra. Ciao, ciao!